Ce soir, on va faire une danse que je n'ai pas fait beaucoup. Un genre de danse soit sud-américaine ou espagnole ou quelque chose comme ça. Ça s'appelle despacito. Alors, il faudrait que je vérifie l'origine de ce mot-là. Donc, mais la danse est une belle danse qui est très dynamique. Et la chanson est belle. Je pense que j'ai jamais vu un chanteur obtenir dans les 3 milliards quelque chose millions de visionnements. Donc, on va faire cette danse-là tranquillement. C'est pas une danse difficile, mais rapide. Voici Despacito avec sa musique. Voici les pas lents de Despacito. Et
6, 7, 8. Voilà. C'est tout. Donc, on va regarder si c'est un mur ou deux murs. Je vais commencer du bon sens. On va regarder. Alors, on fait 1 et 2, 3 et 4, 5 et 6, 7 et 8, 1 et 2, 3 et 4, 5 et 6, 7 et 8, 1, 2, 3 et 4, et 5 et 6, et 7 et 8, OK, 1 et 2, 3 et 4, 5, 6, 7, 8. On est rendu au deuxième mur, donc c'est un deux murs. Danse, danse, despacito. Et un petit tag au fin du septième. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. À la fin du 7. Donc lorsque vous faites ça, alors là il faut faire dun, dun. OK, et on commence. 1 et 2, ça recommence comme ça. Donc, le petit tag il est simple, c'est deux fois le bras en l'air. OK, comme ça. Donc ça fait le tag. Juste à la fin du set.